fait de mieux dans le foot féminin en Europe. Les Allemandes qui ont été plusieurs fois championnes du monde et la Suède qui avait failli le devenir en 2003. Nous allons maintenant entendre les hymnes nationaux, celui de la Suède et de l'Allemagne. Les joueuses allemandes qui, comme leurs homologues masculins, forment une équipe extrêmement compétitive. Ouais, voilà, elles ont remporté la Coupe du Monde en 2003 et en 2007. Et 8 titres de championne d'Europe quand même, hein, entre 89 et 2013. C'est dire si les Allemandes sont fortes. Les titulaires de l'équipe suédoise qui vont disputer cette rencontre. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voilà, je vous laisse découvrir la composition de l'équipe d'Allemagne. C'est parti à l'instant donc. Allez, bon match en tout cas. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, de l'autre côté. Elle est signalée hors jeu, elle aurait dû attendre pour faire son appel. Le ballon qui est intercepté. Le ballon sort en touche pour les Suédoises. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Non, non, ça ne passe pas. Robinson, la passe est interceptée. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Lotte Achely. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Tag. Alors le ballon est perdu. Elle lance le contre. Et la Fischer. Le redoublement de passe, bien joué. Jennifer Marozan, joueuse allemande de grand talent. Oui, à noter, comme son nom l'indique un peu, qu'elle possède également la nationalité hongroise. Lotte Achely. Peut-être une bonne opportunité, attention. Elle, la voilà, la frappe. Ah non, là, pas du tout. Attention, ça peut être dangereux.
La grosse occasion pour prendre l'avantage. La relance, Jennifer Marochan. Pour les Allemandes. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Un trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Samuelsson. Jennifer Marochan. Ouais, joli, le 1-2. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ah ouais, très bien pris. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Ah, le tir. Oh, quel plongeon superbe. Corner à suivre pour les Allemands. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Ah non. Ah, il va y avoir un petit peu de frisson là avec ce coup franc extrêmement bien placé. C'est sereine. Ah, un bon ballon d'attaque. Oh, c'est bien donné ça. Le bon ballon. Ah, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant. Ça va pas être facile. Encore une fois, c'est une défenseur qui marque. On voit ce bout sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ça me vante. Hedvig Lindahl. L'arbitre a décompté 3 minutes hein, de temps additionnel. Jennifer Marochan. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Petit aveu d'impuissance hein, cette frappe très lointaine. Ah non, un manque d'application. Oui, mieux à faire, c'est sûr. Le ralenti de cette action. Finalement, le ballon qui n'est pas du tout cadré. Hein. C'est bien d'avoir essayé quand même. Si ça rentre, on crée au génie sur ce genre d'action. Faut pas trop lui en vouloir. L'entraîneur qui rejoint les vestiaires, certainement satisfait. Parce que pour l'instant, ces joueurs négocient à merveille ce quart de finale. Ouais, ouais, ils ont pris l'avantage. Enfin, ils ne sont pas encore qualifiés pour l'ennemi, mais enfin, c'est tout. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ah, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non ? De le feu. On s'approche de la zone de vérité. Bonne récupération au milieu de terrain. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Frédéric le feu. Jennifer Marochan. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ouais, peut-être une situation intéressante là. Non, non, ça ne passe pas. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, c'est bien taclé. Fridolina Rolfo. Et c'est un but ! Une frappe qui paraissait anodine, mais qui trompe tout de même la gardienne. C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé.
Allez, tout est à refaire, un but partout. Un dernier tag. Les 30 derniers mètres. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Robinson. Ah oui, le bon tacle. L'autre à chez lui. Jennifer Mao-Chan. Samuelson. Ouais, joli, le 1-2. Récupération allemande avec cette touche. La joueuse suédoise qui va céder sa place. Peut-être une bonne opportunité, attention. Un habitat. La gardienne qui est sur la trajectoire pour capter ce ballon. Oh, il y a des solutions, il y a danger. La frappe. Hedwig Lindahl s'interpose. Ça part bien, action dangereuse. Le tir. Ouais, le but. Ah, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, il est quand même cru, ça se met plus en compagnie. Ça est logique. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, bonne transmission. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le centre à destination de ses partenaires. Attention parce que la menace est toujours là. Un dernier tag. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ah non, la contre-attaque n'ira pas plus loin. Elle n'est pas toute seule, elle a du soutien. Linda Sambrant, un tir raté et pas qu'un peu. L'entraîneur qui l'a fait sortir, même si on aurait bien aimé qu'elle reste sur le terrain parce qu'elle a fait un match sérieux, à piquer. Ballon récupéré dans la moitié de terrain adverse. Idéalement placé là pour le centre. Non, elle a été interceptée cette passe. Allez, après tout, pourquoi pas. Oh, attention, attention à la frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. La Suède qui va procéder à un changement. Il reste 5 minutes à jouer, toujours un seul petit bout d'écart. Jennifer Mao-Chan. Ouais, un bon ballon d'attaque. Elle, la voilà, la frappe. Bon, attention, c'est pas fini. Le ballon qui est sorti, sorti de but. La passe est interceptée. Allez, ça joue vers l'avant. Et l'attaque va s'arrêter là. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Robinson. Allez, faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. Jennifer Mao-Chan. Attention, ça peut être dangereux. La bonne conduite de bas. Un Yavitag. Allez, signaler hors jeu. Elle aurait dû attendre pour faire son appel. C'est terminé, le coup de sifflet de l'arbitre, 2 buts à 1, c'est le score final. Allez, l'obstacle des quarts de finale a été